Bon matin à tous. Première chose que je fais aujourd'hui, c'est la réparation d'une petite manette de PS4 L2. Mon client me dit que le L2 fonctionnait. Donc on va aller voir, c'est juste un petit bouton poussoir, ça. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur de ça. D'habitude, c'est ceux-là qui changent. Mais ça, c'est assez rare. Fait que, on démonte ça, puis on regarde qu'est-ce qui se passe avec ça. Allons-y. Bon, ben, on démonte ça. C'est quand même assez simple à démonter, ces manettes-là. Ah oui, c'est ça. Et voilà. On va prendre une chose comme ça. Essaye d'allumer. Ben, là, voilà. Petite batterie. Ça va être là. On débranche ça. Là, on avait dit L2. Donc, c'était... celle-là ici. Il me dit qu'il ne fonctionne plus. Ben! Il vient de sortir. Et voilà. Ben! C'est celle-là. Celle-là fonctionne, mais l'autre n'a pas l'air à fonctionner. Bon, l'enlève au complet. J'utilise ça comme taquineux. Excusez, vous le montez à l'envers. Dans le pack 2000, à seul coup, ça fait parfaitement la job. Du d'alcool aussi, isopropylique, ça fait. Avec un assez bon pourcentage, par contre, là, montez ça assez haut. Pour le reste, tout devrait être beau ici. On va le laisser sécher un petit peu, puis après ça, je vais remonter ça. Bon, j'ai commencé à le remonter. Là, je vais réinstaller le petit ressort ici. C'est petit. Bon, je l'ai eu. Il m'a fait travailler la petite tabarouette. Voilà. Comme ça. Comme ça. Tiens, les contacts sont nettoyés. On va remettre ça dedans. Ici, en passant, ben oui. On est nettoyé ici aussi, hein, fait qu'à faire. Tant qu'à être là.
tiens. Pendant que je le remonte, ça va sécher comme faux, là. Bon. Il n'était pas à sa place. Bien, là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher sur l'ordinateur qu'on peut le tester. On va y remettre tout ça. Et voilà. On va le brancher. Là, la manette vient de le prendre. Wireless controller, c'est un device. Bon, ben, je peux tester en haut. En bas, gauche, droite, droite, gauche, en haut, en bas, je peux tout le tour, bouton ici, bouton ici, bouton ici, bouton ici, et voilà, le L2 qui ne marche pas, il marche, tous les boutons fonctionnent, on va pouvoir remettre ça au client, on va revenir à caméra, on va pouvoir remettre ça au client. Tout fonctionne numéro 1. Bon, ben, comme vous avez vu, c'est pas trop compliqué. Réparer ça. Nettoyer ça pour que ça fonctionne à nouveau. Fait que mon client va être bien content de ça. Merci.